C'est bon. Donc ouais, là, aujourd'hui ça, demain ça, lundi JDR, mardi repos, mercredi jeudi, je pense c'est démo de Steam. Faut se caler Omori dans la semaine. Plus plein de choses, hein. Quand vous payez quelqu'un pour vous faire un décor 3D très stylé et qu'ensuite vous vous cadrez mal dessus. Minto, s'il te plaît. S'il te plaît, monte ta cam. Minto, vraiment, ça me rend folle. Dès qu'il y a un clip qui pop de toi, ça me rend folle. On dirait pas que t'es dans ton bureau. Parce que t'es trop bas. Ça rend fou, vraiment, ça me rend fou. Je l'ai jamais dit, il faut que tu le saches. Mais c'est Cyberblade pour le savoir faire à Floki. Mais vraiment, c'est un appel à l'aide. Genre, il a payé son décor, il l'a réfléchi, il l'a regardé, il a dit c'est super. Et après, il a décidé qu'il serait dans son décor comme ça et que ça passerait. S'il te plaît, Windows! Ah, oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Non, non. Ça peut marcher. Tenez. Non, le chat. Essayez dans celle-ci. Non. Allez-y, agitez-la. Non, non plus. Non plus. Ah, Lumos, peut-être. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Non, toujours pas. Toujours. Dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu. Oula! Oui? Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Ah. Non, pas toi. Même pas une fois. Non, non, jamais. Peut-être. Oui. 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 Hein. Moi, en vrai, j'aurais plus rien à t'expliquer. Peut-être pour le mecha, je pourrais... Enfin, en vrai, le ah bah, mecha... Le mecha, si, il va falloir que tu m'expliques, bon. Ouais, en soi, ouais. Bah... Bah, en vrai, t'as que la vidéo. T'es en train de dire que tu veux plus être mon coach. Non, non, mais je disais ça, mais dans le sens où... Bah, apparemment, enfin, excuse-moi. Je mets peut-être les pieds dans le plat là-dedans, mais t'es en train de dire que tu veux plus me coacher. Ah si, moi je veux toujours être là. Mais en vrai je saurais pas je pourrais pas t'apporter grand chose parce que déjà moi j'ai pas une connaissance mais, de ouf hein, mais tu m'apportes du plaisir, de l'amour, de la c'est discussion, enfin merde quoi, je sais pas, tu veux vraiment qu'on sépare là maintenant en direct mec? Non. Non. Je sais pas mec, enfin, je trouve ça un peu choquant que tu dis ça. Tranquille. Mais bah en fait, ouais. Moi, en fait, là où je voulais en venir, parce qu'au final, je cherchais pas à faire un drama incroyable. Bah si, mais mec, t'es en train de faire un drama. Perso, j'ai déjà posté sur TikTok 3 clips qui parlent justement de ça. Donc. Ah bah merde, attends, bah je vais demander. Je vais écrire une lettre d'excuse. Alors attends. Attends, okay. Je m'en occuperai tout à l'heure. Ouais, pas de soucis. Oh, regardez dans ce couloir là. Caché derrière les caisses, rien foutre. Putain. Attends, 20 minutes à savoir 30 qu'on minutes qu'on est dans là. Le couloir. Je suis bloqué. Un assassinéa là, j'en peux plus là. Je suis bloqué dans oh, le. Oh vas-y, dans j'ai une arme menu. De jet, j'en défonce un, c'est bon. Comment ça bloqué dans le menu? Moi je suis dans les attaques, hein. Franchement, moi j'ai des flèches. Hein. Tu es où, Flo? Bah derrière les caisses et je genre j'arrive pas à sortir. Quand je me suis morfé en rage, j'arrive pas à sortir mon truc. Alors attends, je vais te récupérer ton token. Attends. Ils ont fini les culs. Expliquer vraiment comment on le voit comme ça, le mec, c'est un peu triste sur Vice qu'il y a l'interview du Real qui est. Dégueulasse quoi, ouais, l'interview est horrible ce qu'il raconte, c'est... Oh. Non mais voilà, bah écoutez, des petites infos, des petites actus comme ça qu'on vient picorer, et en plus c'est pas... Et on était parti dans Oculus Rift, hein, à la base. Oui, exactement. Oui, la quéquette à Michel Houellebecq. Excusez-moi. Non, c'est bien. C'est vrai qu'en VR, en plus, ce film, c'est... Merci pour cette chronique. Bah ouais, au plaisir, hein, franchement. Merci, hein. Merci Anaïs, le petit Palmer Lucky, qui a vendu donc du coup Oculus à Meta, et qui derrière se faufile. Finalement, Michel Houellebecq l'a aussi fait, Oculus. Ça marche pas. Foule pas un jeu pour nous ce soir, parce que ce n'était voilà, qu'un amuse-bouche, on peut le dire. Ouais. Oui. Voilà. Bon, comme vous l'aurez compris, j'ai tout mis en pickpocketage, discrétion, un peu en assassinat, en crochetage et en mensonge. Et en plus, j'ai un sac à dos où il y a une poche magique que seul moi vois et connais, et je peux y planquer des petits objets et personne ne peut les trouver dans mon sac à dos. Excuse-moi, Nintendo! Excuse-moi, Nintendo, je suis nul! Je suis nul! Nul! Nul!
C'est ça leur problème. C'est pas un remake. C'est pas un remake, je suis nul. Oui, Nintendo, oui. Prenez-moi le cul, mettez-moi 27 frames de lag. Continuez, c'est pas grave. Oui. Oh oui. Oh, c'est stylé ça. Deux ossements de ci, de là. Ah oui, il y en a pas au mal même. Au centre du cimetière, et là ce que je vais faire, c'est je vais vous envoyer un screenshot ici. Patchoul, ne va pas dans le cimetière, c'est plein de pièges, Patchoul. Au centre du cimetière, un immense bâtiment se dresse dont l'entrée semble bloquée par une lourde porte qui émet des lueurs magiques un petit peu étranges. Tandis que, plus loin ici, sur une butte, vous apercevez un bâtiment délabré qui ressemble à une ancienne crèche. C'est différent. Moi j'ai dit, tu me mets sur le pont du Charles de Gaulle avec deux rafales derrière, je te la fais ton opinion. Imagine la table. Mais l'armée de l'air avec vous, ça passe. Sans vouloir leur sucer la bite, l'armée de l'air, ils étaient vraiment woke. Ils ont compris Twitch. Oh là là. Alors, non, non, les gars, clippez-moi ça, je le réutiliserai. Clippez-moi ça. Super woke. L'armée de l'air woke, c'est tout là, les gars. On peut l'aggraver. Non mais non, le mec. Je suis désolée, les noirs ils sont dégueulasses et la réglisse là, ils sont. Est-ce que tu essayes de la rattraper d'un réflexe peut-être avec un jet? Ah oui. Tu n'as pas d'agilité donc ça va être un jet sur ton physique. Est-ce que tu peux essayer de la rattraper sur ton physique? Alors il faut savoir que j'ai un de physique, mais par contre j'ai 6 en manipulation d'esprit, je peux lui faire accepter sa mort histoire qu'elle parte paisiblement. Je peux faire ça. Oui, non. Pff, oh là là, vous êtes vraiment. Hein. Alors c'est quoi, si tu fais choisir une autre maison, il se passe quoi? Ah ouais, d'accord, juste tu. Alors je vais lire les maisons. La maison Gryffondor, célèbre pour la bravoure, l'audace et la courtoisie de ses élèves. Pouf souffle, célèbre pour la patience, la loyauté, le sérieux de ses élèves. Serre d'aigle, célèbre pour l'intelligence, la créativité et l'esprit. Déjà c'est pas moi, je sais pas lire, dommage. Serpentard, célèbre pour la ruse, l'ambition et la soif de pouvoir des élèves. Ouais, sauf que ça c'est les méchants, ça c'est les gentils, ça c'est les jaunes que tout le monde déteste comme dans Fall Guys, on sait pas pourquoi. Et ça, les serres d'aigle, bah, c'est ceux qui ont pas de personnalité parce qu'ils ont pas réussi à être gentils, méchants ou être différents et choisir les serres d'aigle, c'est ça? Du coup, qu'est-ce qu'on doit choisir? Il y a aucun bon choix, c'est ça? Qu'est-ce qu'on... Il y a Kylian qui dit: salut Sam, vendredi hier s'est tenue la deuxième édition du TN Event, événement caritatif inspiré du Z-Event organisé par une asso humanitaire étudiante que t'as raid l'an dernier, c'est super ce qu'ils font. Merci encore pour l'an dernier, sache que cette année, nous avons battu le record de 11 000 l'an dernier, événement incroyable, souvenir de fou, passe une bonne journée. Oh, j'ai reçu des messages là-dessus, je m'étais mis ça de côté pour un raid ce week-end. Je manque tellement de temps que je reçois plein de messages, l'un chasse l'autre. Putain, si ça se trouve, vous étiez en live vendredi soir et j'aurais pu vous raid après l'hebdo Étienne, en plus on était plein, putain je m'en veux. Pfff. Il y a plein de messages hyper intéressants, comme ça je me mets de côté, mes journées sont trop pleines, je suis désolé. Bon bah bravo à vous et ouais, bah, toutes mes excuses, parce qu'en fait j'avais mis votre message de côté, je voulais faire une suite et puis j'ai zappé quoi. Ah non, j'ai honte. J'ai honte parce que c'est vraiment bien ce que vous faites. Oui, c'est le Gondor. Oh, pas chaud. Bonjour. Quel plaisir de vous revoir. Bonjour. L'animal. Tiens. Quel plaisir de vous revoir si tôt. On s'abate. T'es allé voir ce qu'il fait. Il dit souvent ça. Ouais, il fait ça. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, sympa. Et du coup, c'est comme ça que je t'avais connu. Ouais. Et c'était il y a très très longtemps, il avait dig, hein. C'était un digger. J'avais 4 et pas 1. 5 abonnés. Hein. Quoi? Et pas 1. Et pas 1. Un bigger et pas 1. Et pas 1. Je l'ai pas. Hein. Bon, alors là, tu me poses une colle comme jamais on m'a posé une colle. Un figure. Les gens qui disent. Enfin, les femmes qui, pour parler de leur compagnon, leur mari, disent mon homme. C'est arbitraire, mais ça a tendance
vous regardez quoi ? Je ne parle. Si on veut rester dans du bon gros malaise, je peux vous proposer la soirée Fallen Kingdom sur Minecraft avec un Inox qu'on a connu un peu plus en forme que ça. Bon allez Inox, on te doxe. De rue Paul Vaillant Couturier tout le monde. Ouais Média. Eh hey mais Hugo, mais c'est un délire. C'est la police qui vient de dire. Non, en vrai, je suis taquin, mais la soirée était... Ni plus, ni moins. Y'a rien avant, y'a rien après. La scène, c'est ça. Musique classique. Musique classique. César est seul avec un des empereurs d'une région chinoise. Et César dit... Ah, voilà, ça, c'est de la vraie musique. Ça, c'est de la vraie musique, hein. Vous connaissez ? L'empereur chinois qui répond « Ah oui, oui, je connais, effectivement. Oui, oui, je connais. » César qui lui répond « Ah bah oui, bah ça change de vos ching-chong habituels. » Fin de la scène. Voilà. Genre, la scène s'est terminée. J'étais au ciné, du coup, avec Ultia et un de mes meilleurs potes. La scène s'est terminée. Je me suis retourné vers les deux, j'étais en mode... La scène sert à quoi ? À rien, mais comme la plupart des scènes dans le film.